Anderlecht fait la bonne affaire et creuse l'écart sur OHL dans la course au titre. Bienvenue dans l'Auto Super League Rewind. Avec trois absentes de marque, Dave Matteuss a dû bricoler. Pour choisir la compo d'Anderlecht face à Genk, les Mauves sont sans Laura Delau suspendue, ainsi que Laura Deneve et Marie Minard, toutes les deux blessées. Les Mauves sortaient d'une victoire 1-3 face au Racing Genk la semaine passée, mais vendredi soir, la première occasion était limbourgeoise. Mais même Deusters semble avoir été surprise par le centre de Van Zer. Anderlecht réagit alors avec Thornton pour Vatafou, mais c'est Van Seist qui a le dernier mot. Une action qui lance véritablement le match des Anderlechtoises avec une superbe opportunité en contre au quart d'heure de jeu. Jacobs sert Thornton, à qui Genk laisse un peu trop d'espace. Résultat, un très joli but de l'attaquante américaine pour mettre Anderlecht aux commandes. Genk tente de réagir sur corner, mais à nouveau, il manque un petit quelque chose dans la connexion entre Van Zer et Deusters. Les occasions les plus dangereuses sont anderlechtoises. Colson lance magnifiquement Thornton en profondeur, mais elle rate l'occasion de faire le doublé en envoyant ça à côté. Et comme on le dit dans ces cas-là, occasion manquée, but encaissé, un adage confirmé par Genk. Petri trouve Powels avec réussite, son tir est dévié par Van Weisberg et termine au fond des filets. Une action un peu chanceuse mais qui fait un but partout. Un coup dur pour Anderlecht qui n'a pas su se mettre à l'abri. L'ancien coach Patrick Wachel observe tout cela attentivement. Le Racing Genk entame la deuxième mi-temps avec énergie, mais sans se créer de véritable occasion. C'est au tour d'Anderlecht d'en profiter. Sarah Wynans a elle aussi beaucoup d'espace et sert Laure Jacobs. C'est donc un 17e but cette saison pour la joueuse de 17 ans. Ik doe elke training mijn best en op de matchen ook. En ik geef mijn bijdrage aan de ploeg. Maar het lukt wel goed, hè. Je hebt je direct wel je draai gevonden bij die Anderlecht. Ja, dat komt ook door de speelsters, door de ambiance. En ze geven mij veel vertrouwen en dan kun je goed voetballen in dit team. Une équipe qui continue sur sa lancée, même si Colson ne parvient pas à cadrer sur le coup franc. Anderlecht est en maîtrise depuis le 2-1 et ça va être au tour de Sarah Wynans de se mêler à la fête. Déjà impliquée sur le deuxième but, elle tue le suspense en faisant 3-1. La déception est palpable du côté des Limbourgeoises. Ik denk dat dat nu vooral een domper is. Ik denk misschien binnen twee dagen gaat dat wel iets positiever gaan zijn. Maar het is gewoon jammer, want allez, je deed mee in de strijd. Oké, we moeten ook wel realistisch zijn, hè, de kampioenschap. Daar ga ik me niet over uitspreken, maar het is jammer dat het nu zo'n beetje wegvalt. Maar ik denk gewoon, ja, nu focus op de volgende wedstrijd en die mooie bekerfinale dan mogen spelen natuurlijk. Les dernières occasions du match sont tout de même pour le Racing Genk, mais que ce soit Deusters dans un premier temps ou la remplaçante Djuga par après, personne ne parvient à marquer. 3-1, score final, Anderlecht s'impose même si tout n'a pas été brillant. Ik heb ooit bij Gent 2 jaar het meest prankelende voetbal gespeeld van onze competitie, maar we hadden geen prijs op het einde van het seizoen. Dus ik denk dat dat in deze fase dat niet altijd nodig is. Hè. We moeten proberen ons spel te spelen, want dat is onze sterkte, het goed voetbal. Maar als er moet geknokt worden en er moet even fighting voetbal zijn, dan moeten we dat ook op de mat kunnen brengen. Du côté de Genk, on regrette les occasions manquées et surtout les décisions arbitrales. We doen ook heel week trainen, we moeten ook hard werken. We zijn ook een 4 uur weg. Ja, fluit eerlijk, is er geen probleem. Wij kunnen 2-1 maken. Fluit die gewoon af. Die bal buiten geweest is, is hij gewoon niet buiten geweest. Ja, en het tweede punt, iedere fout op half de tegenstand, dan krijgen we geen vrije trap mee. Ik snap dat niet. Ik snap het niet. Echt niet. Le Standard et Louvain se retrouvaient une semaine après la victoire louvainiste 3-2 dans un match électrique. Un match où les Liégeoises voulaient sans aucun doute prendre leur revanche. Et les Rouges sont justement les premières à se créer des occasions. Après 15 minutes de jeu, les joueuses de Stéphane Guidi parviennent déjà à ouvrir le score. Noémie Gelders tente sa chance devant le but. Son ballon est repoussé, mais Justine Blave a bien suivi. C'est 1-0. Et là, Van Kerkhoven tente ensuite d'égaliser, mais en vain. Louvain est trop brouillon dans cette entame de match. De son côté, le Standard essaie de se montrer dangereux, d'abord sur ce coup franc. Welmafon sert ensuite Anne Merkelbach, mais qui ne cadre pas. Noémie Gelders va également avoir une opportunité dans les airs, mais elle aussi manque le cadre.
Louvain n'est pas passé loin d'égaliser juste avant la mi-temps, mais sans succès. Les Liégeoises restent devant à la pause. Dès l'entame de la deuxième mi-temps, Louvain continue de pousser pour égaliser, mais Carlijn Elsen trouve le poteau. Ce qui n'empêche pas le Standard de se créer des occasions, notamment avec Merkelbach qui ne parvient pas à trouver le but. Louvain, de son côté, ne cesse de pousser, mais l'équipe de Jimmy Koenraads manque toujours autant de réussite, à l'image de cette action de Nicky van Dijk qui ne cadre pas son envoi. OHL tente le tout pour le tout, notamment avec cette contre-attaque initiée par Nicky Evrard. Mais Marie De Treuilleur n'en fera pas bon usage. Les Louvanistes ont cruellement manqué d'inspiration. Le score est d'une logique implacable. En toute fin de match, Shari Van Beel peut amener le danger sur deux coups francs, mais n'a pas réussi à trouver qui que ce soit sur les deux actions. Dans le temps additionnel, Hilary Damant va imiter Nicky Evrard, qui était elle aussi longtemps restée allongée dans les arrêts de jeu au match aller pour gagner du temps. Le Standard prend finalement les 3 points, reste invaincu à domicile en play-off et tient surtout sa revanche face à une équipe de Louvain qui perd de très précieux points dans la lutte pour le titre. Ik denk dat er langs beide kanten niet heel veel kansen zijn geweest. En dat wij één fout maken, dat die eigenlijk duidelijk wordt afgestraft. Ik denk dat de wet van efficiëntie is. Ik denk dat als je in de eerste helft dat moment niet meemaakt, is de wedstrijd op 0-0 eindig. Ik denk dat zowel Standaard als wij heel weinig kansen hebben gehad, weinig uitgespeelde momenten hebben gehad. Maar goed, je maakt die fout en dat wordt duidelijk afgestraft. Het is een objectief om te blijven invaincu. Maar nu, onze revanche, nee, het is geen revanche. We hebben la semaine dernière contre Louvain. On est battu, on sait pourquoi on est battu. Aujourd'hui, sur un terrain difficile, mais les joueuses ont tout donné en termes d'engagement. On s'est créé des occasions aussi en première mi-temps, où avec un peu d'efficacité, on peut mener 2-3-0, comme Louvain la semaine dernière, puisqu'on a deux phases arrêtées où Louvain marque la semaine dernière. Nous, on manque d'efficacité à ce niveau-là. Mais je ne peux que féliciter mes joueurs pour tout ce qu'elles ont donné en termes d'énergie, de courage, de solidarité. Et c'est ce qui fait notre force cette année. On a vraiment été des guerrières pendant tout le match. Et je pense que ça s'est vu. On a gardé le zéro. Et à la maison, c'est toujours plus compliqué. Ici, on est invaincu à la maison pendant les playoffs. Et on va essayer de garder ça jusqu'à la fin de saison. Gand et le club Wailé s'étaient quittés sur un partage nul et vierge la semaine dernière. Les Buffalo sont toujours à la recherche d'une première victoire en play-off et veulent stopper cette série. Le club avait bien entamé le match jusqu'à cette phase arrêtée gantoise. Maximus n'avait plus qu'à envoyer au fond ce très bon service de Van Britsom. La gantoise est efficace et mène 0-1. Mais les Brugeoises ne se laissent pas abattre par ce but. À peine 2 minutes plus tard, Ouzraoui nous sort un superbe enchaînement dribble et frappe. Un but partout, Gand n'aura gardé l'avantage que quelques instants à peine. Bruges reste la meilleure équipe en première mi-temps. Boutiébi et Ouzraoui ont permuté, ce qui donne une nouvelle dynamique en attaque. Ouzraoui tente sa chance, mais ne parvient pas à tromper Maas. Le danger vient toujours des flancs du club Wailé. Dans tous les bons coups, Ouzraoui sert chanceusement Matavkova de la tête, qui en profite à merveille. Bruges prend l'avantage pour la première fois et de manière tout à fait méritée après le 8e but de la saison de Matavkova. Les Gantoises font preuve de maladresse en défense et Guns et Matavkova ne sont pas passés loin de faire le break une minute plus tard. Mais la mi-temps se termine sur le score de 2-1. Le match met du temps à s'animer en deuxième période. Gand amène un premier danger après l'heure de jeu avec la frappe au-dessus de Bostils qui aurait pu mieux faire. Une action qui réveille Bruges, toujours pas à l'abri dans cette rencontre. C'est à nouveau Ouzraoui qui amène le danger. Eline est passée tout près de la catastrophe mais a évité l'autobus de justesse. Le jeu se déroule essentiellement au milieu de terrain dans cette deuxième mi-temps. Bruges garde le contrôle mais n'arrive pas à tuer le match. C'est cette fois Labarre qui repousse le tir de Boutiébi. Gand tente d'arracher au moins un point dans les dernières minutes du match mais sans la moindre réussite. 2-1, score final, Bruges remporte la bataille des Flandres. It was hard because we conceded first, but I'm proud of my team that we kept going and we turned the game on our side, so yeah, we wanted to score the third goal to make it like clear
we don't have to have a pressure in the end, but yeah, we fought and we have the victory. We zijn er eigenlijk vandaag te laat doorgekomen. De eerste helft waren we te plat, te passief. Brugge heeft gewoon het eerste kwartier veel meer laten tonen dat zij wel willen winnen. En dat is onder de rust ook meegedeeld. Er was niets te verliezen. We stonden 2-1 achter. We hebben ook kunnen scoren. En dan zag je wel dat we echt wel gestreden hebben die tweede helft. Maar helaas hebben we niet kunnen afwerken. Gand a aussi dû faire face à des blessures en cours de match avec les sorties de Meersman et Retzin. Des blessures qui arrivent au pire des moments avec une prochaine journée qui se jouera en milieu de semaine. Met Fran Wiessen, dat was half onzeker voor de wedstrijd al. Dus daar moesten we een keuze maken, starten of niet. Dat is dan fout afgelopen de eerste helft. En dan bij Nena was het een tackle op de enkel. Gewoon volledig omgeslagen. Het wordt nog puzzelen richting de volgende wedstrijd. Ja, en dat is al dinsdag, dus we gaan goed moeten kijken hoe en wat. Maar goed, we hebben een goede medische staf en fysieke coach bij, dus we zien wel wat ervan maken nog. On passe en revue les résultats de cette sixième journée de play-off avec les succès d'Anderlecht, du Club Oyélé et du Standard. En play-off 2, Zulte Waregem l'a emporté à Charleroi, alors que Malines a humilié à Lost 6-1. Anderlecht a pris l'avantage au classement avec désormais 4 points d'avance sur Oudeverley-Louvain, qui n'a pour l'instant plus son destin en main dans la course au titre. Le Standard est d'ailleurs juste derrière avec à peine 2 points de retard. Les Sevé dominent toujours en play-off 2 avec 6 points d'avance sur le White Star. La 7e journée aura lieu cette semaine avec Anderlecht Standard que vous pourrez suivre mercredi soir sur Eleven Pro League. Pour le reste, rendez-vous ce jeudi pour un nouveau Lotto Super League Rewind.